Alors déjà, un budget participatif, c'est l'engagement de la ville à consacrer une partie de son budget d'investissement. Clermont-Ferrand, c'est 5%, pour financer des projets présentés par les habitants et qui ont donné lieu ensuite à un vote, donc à un choix des habitants. Et donc ça veut dire que c'est aussi un engagement de la ville, des services, parce que c'est eux qui vont réaliser ces projets par la suite, de dire, bah voilà, vous êtes aussi acteurs de votre quartier, de votre ville, et que en effet, donc c'est un vrai choix aujourd'hui de la ville de Clermont-Ferrand de mettre 5% de son budget d'investissement. Ça va être des questions sur des nichoirs oiseaux, des arbres, la végétalisation est un sujet aussi intéressant, et donc ça va être des propositions qu'on pense voir apparaître, mais bien sûr on ne sait pas encore ce que les Clermontois ont envie de voir demain sur Clermont-Ferrand. Oui, puis c'est vrai, il y avait des projets un peu plus solidaires qui sont bien ressortis au cours de la première édition. Ça, c'est assez intéressant aussi, c'est un peu les deux grandes thématiques. En 2018, on a décidé de lancer le projet du frigo solidaire, qui est un projet financé par la première édition du budget participatif. Le but est très simple, c'est un frigo solidaire qui est dans la rue, qui est hébergé par les marchés de Max et Lucie qui sont situés 60 avenue Charras. Et le but, en fait, c'est que les commerçants, des particuliers peuvent laisser des produits alimentaires. Il a trois objectifs, c'est de limiter le gaspillage alimentaire, de lutter contre la précarité et de favoriser la solidarité et la citoyenneté. C'est aussi vraiment la volonté de montrer que la ville accorde énormément de crédibilité au projet des habitants. C'est pas un gadget. Un budget maximum de 400 000 euros, c'est important. Et le fait de l'avoir maintenu après une première édition qui a bien fonctionné, c'est un signe qui montre que pour la ville de Clermont, ce genre d'outil de démocratie participative est très important. D'autres vont venir, mais celui-ci est particulièrement important.